Aujourd'hui, je vous propose un délicieux poulet avec une sauce fromage, bacon et vin blanc. Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Prenez un beau poulet fermier, désossez-le. On commence toujours par les cuisses et ensuite on retire le blanc. Une fois le poulet complètement désossé, séparez le pilon des cuisses et coupez le blanc en deux. Dans une cocotte, versez un petit peu d'huile, déposez les morceaux de poulet, assaisonnez en sel et en poivre, puis ajoutez de l'oignon émincé, le lard fumé et faites dorer le tout. Ajoutez une gousse d'ail, une feuille de laurier et parsemez de thym. Faites-moi flamber tout ça avec une bonne rasade de cognac et une fois que les flammes sont éteintes, ajoutez le vin blanc. Couvrez et laissez cuire 30 minutes. Préparez le fromage râpé et profitez-en pour vous débarrasser de vos vieilles croûtes. Au bout de 30 minutes, ôtez le couvercle de la cocotte, retirez les morceaux de poulet, versez le fromage et mélangez tout de suite comme une fondue. Ajoutez la cuillère à soupe de moutarde, puis le paprika et continuez à mélanger sans cesse. Terminez en ajoutant la crème fraîche et continuez à mélanger. Vous avez une belle sauce avec du fromage bien fondu. C'est le moment de remettre les morceaux de poulet. Couvrez et laissez cuire 10 minutes avant de servir. Regardez-moi cette belle sauce. C'était ma recette de poulet sauce au fromage, bacon et vin blanc. Si la recette te plaît, abonne-toi, d'autres recettes sont à venir. N'hésite pas à liker ou à commenter, j'y répondrai. Merci, à bientôt.